Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang et Fox Die pour un nouvel épisode de Crazy Machine 3. Salut. Ça va mon Fox? Ça va toi? Bah ça va, écoute, hein. Écoute, le dernier épisode 17 minutes, là il faut que ce soit 16 minutes, enfin moins, toujours plus efficace. Ah, quel bon petit voyage! Préparons le barbecue ici, activez tous les ustensiles de cuisine et la lampe. D'accord. Fox, vas-y, c'est pour toi, hein. Moi j'ai fait le précédent. Hein. Ah ouais, quand c'est difficile, hein. Comment c'est difficile, tu mets une plaque là-dessous? Alors, il faut savoir que dans ce jeu, les prises sont très courtes. C'est-à-dire que je peux pas aller plus que ça, tu vois. Ah ouais. Donc il faut une multiprise. Voilà, multi. Alors, faut activer tous les ustensiles, c'est-à-dire le mixeur, la lampe et on peut tout activer. Et la machine à café. Bon. Jusqu'ici, la lampe, elle peut s'activer facile. Jusqu'ici, tout va bien. Hein. Et le mixeur, bon, je vais le mettre en l'air, j'en ai rien à battre. Je vais tirer. Oh, le sac! Ah, ça marche pas! Ah, ouais, attends. Ah non, parce que en fait, quand je fais tomber le mixeur. Parce que le mixeur a tout débranché. Ça débranche, ouais, effectivement. Alors. Les fils se croisent, les fils se touchent. Ah, la Fox, tu t'en sors plus! Si! Il met la pression! Et là, c'est. Fox! Et ouais, t'as jamais fait un truc aussi rapide que ça. Trop bien, ils sont encore en train de griller une licorne hein, derrière moi je dis. Hein. Voilà, c'est parti. Ok, on a pris quelque chose d'intéressant, ceci dit. Donc du coup les pouces verts. Ah, maintenant c'est des pouces bleus. Hein, donc vous n'hésitez pas, vous mettez un pouce bleu, vous partagez. Les pouces verts. J'ai l'impression qu'il y a suffisamment d'eau. Mais je crois bien que les fleurs ont besoin de plus de lumière pour pousser. Faites quelque chose. Cliquons. On a de la lumière. On a une rampe. Mais pourquoi? Sur le plan. Quoi? Ne fais pas le plus difficile en premier. Déjà, essaye de voir. Excuse-moi, ouais, j'essaie de réfléchir avec mon petit cerval. Donc, il fallait plus de lumière. Elle tombe ma lampe? Ouais, super. Non, mais ouais. Ouais, super, j'ai dit. Voilà. Bah, pourquoi ça? Branche-le moi ici. Ça fait une petite guirlande, là, ça marche bien. Super. Maintenant, on tire du câble. C'est pas assez long. On est en bétail. Ah oui, en plus, elles ont des positions, genre... Attends, excuse-moi. Elles ont genre des positions improbables. C'est quoi les positions de ces trucs, là? C'est quoi les positions de ces trucs improbables? Attends, je branche. On dirait que tu tâtonnes là. Un peu là, ouais, un peu. C'est un peu. C'est la solution. Ah, ça y est, il a son problème dans la plantation. C'est ça. Ah, vas-y, débrouille-toi. Alors, c'est simple. Je fais tout le travail là. En fait, jusqu'ici, t'as tout fait assez bien. Tu vois, jusqu'ici, tout va bien. Mais il n'y a pas de source de. Ah, si, on va mettre ça aussi ici. S'il veut bien. Tu vois là tout est branché tout ça mais sauf que cette plante elle s'activera seulement si on appuie sur ce bouton. Alors moi je vois pas en fait parce que le problème c'est que je vois pas ton curseur de souris moi mais les gens voient et c'est ce qui compte. T'es sûr que tu vois pas là? Non je vois pas en fait. Moi ça quand tu bouges ton curseur de souris je le vois pas. Ah ouais. Ouais, bon bah les lampes de gauche là qui feront pousser les plantes et c'est le but du jeu. Alors on veut faire pousser les plantes. Les lampes de gauche elles s'allumeront seulement si le bouton à côté du lapin s'active. Mm-hmm. D'accord. Parce que c'est une prise qui s'active au contact du bouton. Enfin, à l'intérieur. D'accord. Le lapin, il faut qu'il booste ce bouton. D'accord. Ce bouton, enfin ce lapin, il pourra être poussé seulement s'il bouge. Comment il bouge? C'est si l'enceinte elle fait du bruit. D'accord. Donc pour que l'enceinte fasse du oui, il faut l'activer. Pour l'activer, en mettant une patate de foin dedans. Bon, voilà, on met une patate de foin, ça active l'enceinte qui fera bouger le lapin. Donc on est nickel là. Mais comment faire pour que le moteur de la patate puisse activer ce bouton? Eh ben, il faut que le capteur tout à droite là, le capteur panneau solaire, il puisse être activé.
Et comment on l'active? Eh ben avec cette lampe. Comment ça? Eh ben, la lampe va faire de la, okay, de la lumière pour le panneau solaire. D'accord, oui, il n'y a pas assez, ok, de... Okay, ouais. C'est la lumière du soleil, elle est ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc ça fait de la lumière. Ah ouais, avec le petit balancement, un petit peu de lumière. Voilà, on pousse, on fait de la... Pousse, on fait de la lumière du son, et ouais. Et on a le petit cochon à gauche, bien sûr. C'est incroyable. Je sais pas si c'est un cochon licorne, mais... Vrai. C'est pas facile, ça, non, en vrai. Ouais. Mais parce que la logique est un peu étrange. C'est ça. Que le spectacle commence. On dit qu'une pièce de théâtre vient bientôt commencer. J'ai tellement hâte. Allez, le petit théâtre a besoin de courant. Cliquez pour commencer. On a une poignée de porte usagée. Un turbo courbé fixe. Bah dis donc. Moi j'aime bien commencer avec les trucs difficiles. Qu'est-ce qui bouge là-dedans? On sait pas. Il y a ça à brancher. Je branche ça. Ça à brancher. Je le branche pas. Si je peux le brancher. Attends. J'ai envie de le brancher, je vais le brancher. D'accord? Juste pour voir. Hein. Je paye pour voir. Mais. T'as un smoothbar. Ah, on a un bouton appuyé. Mais le bouton qui fait rien parce qu'il n'y a rien branché. D'accord. Donc c'est de la misère. Parce qu'il faut un moteur. Un moteur, mais le plus un moteur. Et c'était bien là. On peut pas le coller là. Ah, c'est bien. Bon. Une fois qu'on a ce moteur, hop, et sur un bouton, il se passe des choses ici, mais le problème c'est que c'est branché à rien. Donc il faudrait le brancher à un petit ventilateur. Pourquoi faire le ventilo sur le panneau solaire? Pourquoi faire? Super idée! Oh, putain de mec, panneau solaire, faut de la lumière! Oh, bah, vraiment, t'as tellement un esprit quoi, t'es tellement formaté quoi! On sait tous que les panneaux solaires marchent au vent, on le sait! Et bien sûr! Et les éoliennes à la lumière, évidemment! Ouais. Quelle question! Forcément! Formidable! Il nous manquerait un domino par ici. Par contre, je vois toujours pas à quoi il sert ton gros toyau. Vas-y, on va le savoir, on va le savoir. Pouette, 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 pouette! Petite patate de forain, lumière, action, ventilo. Hop, lumière, pof, tes tonneaux tombent, ok, cool. Là, il faut le ballon. Et ton d'accord, et là, il nous faut un toyau. Il nous faut un toyau. Que va? Je vais le mettre là. Tiens. Allez, vas-y, tombe là-dedans maintenant. Et donc, on espère que le bouton va faire activer l'enceinte qui. Je sais pas. On espère. Envoyer maçon. On espère. Petit ballon qui va vite. Elle tombe. Paf. Ah, ça active. Alors, c'est du génie ou c'est du génie, monsieur? Le petit théâtre est activé, c'est oh, bien. Regarde, le petit théâtre, il marche. Avec encore des licornes. Ah, des cochons licornes. Des cochons licornes. Pourquoi pas? On est ouvert à tout. Vas-y, bah, pour toi, le niveau suivant. Question de timing. Oh, alors, dépêche-toi, on va être court. Faut se dépêcher. Alors, la quatrième. Je suis un sacré bricoleur, non, hein. Aidez-moi juste à amener cette quatrième roue jusqu'au chariot et il sera réparé, on n'a rien de temps. Cliquez pour continuer. Alors, faut amener cette roue tout en bas là. Amener la quatrième roue au véhicule. Alors, à première vue, elle y va toute seule, hein. Sans voir les champs. Il y a des trucs qui se débranchent, mais on s'en bat les couilles. Jusqu'à maintenant, on s'en bat les couilles. Attends, je crois que la caisse va nous empêcher de passer, c'est ça le projet. Allez. Salut, ils ont tout fait pour. Donc faut empêcher que cette caisse nous bloque le passage. C'est ça. Est-ce qu'on peut simplement débrancher la prise? On peut pas débrancher cette connerie. Ah mince, c'est dommage. Pourquoi c'est activé? C'est parce que ça s'est activé. En fait, si de base on pouvait pousser le ballon avec du vent, on serait nickel. Ah, en fait, faut que cette voiture débranche cette machine. La voiture bleue débranche la prise juste à côté. Tu vois ce que je dis ou pas? Oui. Ah donc tu brancherais pas un petit ventilateur à côté du ballon de basket? C'est ça. Allez. Et il faut que le ballon là. Le ballon. Pourquoi le ballon il va pas en vertical?
déjà, si, vertical. Le ballon rouge, il va en vertical, ouais. Et il débranche tout. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que et tu peux tout à fait. Bah, tu mets juste deux œillets et une corde et on n'en parle plus. Ouais. Pour qu'il aille. Pour le pousser vers le truc jaune, même si je vois pas l'utilité. En fait, je vois pas l'utilité de le décaler, mais bon. On verra. Ah, si, tout est là. Tchac. Ah oui, pour activer le courant électrique du. Et yes. C'est fini pour la caisse. Et ben voilà, easy. Ils sont tordus quand même, ces créateurs de jeux. Ouais, ouais, mais c'est rigolo. Allez, on enchaîne comme coup de chaîne. Hein. Quatrième roue, l'épée. C'est parti. Alors, l'épée, il me faut cette épée pour une expérience historique. Je pense qu'il vous suffit d'envoyer le ballon de basket dessus pour la faire tomber. Alors, vas-y, qu'est-ce qui se passe là, dans cette histoire? Il y a des trucs qui bougent dans tous les sens encore là, ça va m'énerver. Voilà, ok, c'était cool. C'était super génial. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a un ballon qui tombe. Pourquoi on a un ballon qui tombe? Est-ce que quelque part, on peut pas récupérer notre ballon pour lui dire « Hey, petit ballon, retourne là-haut. » Déjà. À commencer par ça. Ensuite, est-ce qu'on peut pas bloquer ça avec une lampe? Oh non, mais moi, je voulais des trucs rigolos, quoi. Tout de suite, le jeu n'a aucun fun, quoi. Une fleur? Ça peut être une fleur. Attends, vas-y, je vais voir avec une fleur, juste parce que c'est rigolo. Mais... Eh ben non. Ok. Y a une idée. Y a une idée derrière tout ça. Ça a pas l'air. Ça a l'air innocent, mais ça ne l'est pas. Non, je sais pas pourquoi tu mets ce combat. Si, on sait pas. On sait pas. Ouais, je sais pas, j'avais envie. J'ai pas le droit d'expérimenter des choses, ça y est, c'est ça. Mais t'as le droit d'avoir des envies, hein, c'est ça. Hein. J'ai le droit d'avoir envie. J'ai l'envie d'avoir envie, tu vois ce que. le truc, c'est que là, en fait, ça va rouler tout seul. Voilà, c'est ça. Et c'est le bazar là. Ah non, ça va, c'est pas plus le bazar que ça. Ah, c'est assez rigolo. D'accord. Notre objectif étant de faire tomber l'épée. Est-ce que quelque part on peut pas juste tricher comme ça? Est-ce que je suis pas juste un tricheur en faisant ça? En faisant ça, je triche pas quoi. Ah, ça fait pas tomber l'épée! Non, c'est abusif. C'est pas gentil ça. C'est pas sympa. Les gens sont pas rigolos. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas le mettre sur cette planche là, vraiment? Je suis obligé de laisser le panneau comme ça et il tombe par terre? Ah non, il tombe pas par terre. Ok. Très bien. Une pile de caisses. Pourquoi faire une pile de caisses? Il y a des trucs que je piche pas. Des trucs, je pense que j'ai pas le degré de compréhension nécessaire. Oh! Alors là, c'est la crise. Si je fais ça ici, c'est tellement la crise. Ici. Non interdit. Oh, le jeu n'a aucun fun. Moi, il manque des données, je pense. Il manque tout un lot de données. Sachant que t'as deux batteries, hein. Ah, pardon, vas-y, y'a pas de soucis. Pardon, Il y a deux batteries. Y'a deux batteries qui marchent toutes seules. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir deux batteries? Une d'un côté et l'autre de l'autre côté de la main. Ça va, sachant que je peux pas poser ma batterie ici, quoi. Ils l'ont fait exprès, les sagouins. Ah, mais je sais, attends. Déjà, s'il y a une pute de caisse, c'est pour mettre la. Batterie dessus! Ah, mais putain, ce mec est un génie! Bravo! Oui. Ah, et vraiment... brancher le ventilo qui va faire voler le ballon. Allez, c'est quoi, on teste comme ça? Moi j'aime la prise de risque. Allez, ballon! Non. Non. En fait, il faudrait non, que. Je... Il faudrait que. Il faudrait que la planche. Il faudrait que la planche soit un peu plus en hauteur, là, la planche qui tourne, qui roule en horizontal. Pour qu'elle soit un peu plus en hauteur. Histoire de faire passer le bazar. Histoire que le ballon il puisse passer. Ou que la planche pousse le ballon, mais ça c'est autre chose. Et pour que la planche pousse le ballon, il faudrait que la plante... Il nous manque une donnée quelque part, je pense. Je pense que déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce ballon vert? Touk. Je sais. Pourquoi il tombe? J'ai peut-être une idée, attends. Vas-y, émets ton idée. Déjà, si on fait pousser. Si
on fait pousser la plante, le ballon vert va aller à gauche. On verra ce qu'elle fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette mécanique de faire pousser les trucs. On fait pousser la plante, le ballon va aller à gauche. Okay. Après, on s'en fout. Ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout parce que du coup, on l'exploite pas. Mais on pourrait l'exploiter. Sachant qu'il y a une autre planche au milieu, là. Il y a le tournesol au milieu. On pourrait peut-être allumer. Moi, je suis pas sûr de mon plan. De mon plan, là. Non, c'est pas le tournesol, c'est sûr, parce qu'en fait, à côté du tournesol, tu peux juste rien placer. Tu peux même pas placer une batterie. Donc non. Par contre, si je puis me permettre, c'est peut-être là que réside notre dernier élément. Cette batterie ne peut pas bouger, certes, mais toi, tu peux bouger. Toi, tu peux genre venir ici. Ah, et comme ça, le truc, il bouge après. D'accord. Et comme ça, ouais, c'est ça. Et c'est le ballon vert qui l'active. Quand le ballon orange est assez haut. Voilà. Sauf que, attends, il nous manque encore une donnée. Parce qu'on a fait tomber ça. Mais, MIS, conjonction de coordination qui marque une opposition. Il faudrait qu'on puisse activer ça également. Donc, qu'est-ce que c'est que le Schmilblick? Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. C'est quoi mon idée? Vas-y, vas-y. En fait, on veut que le ballon monte et qu'il redescende. Oui, donc faut le débrancher. Pour ça, faut ah, le débrancher. Pétard, mais bien sûr. Tu mets le truc ici, s'il veut mieux. Bien sûr. Exactement. Et là, bah voilà. Si c'est la solution, on est des héros. Allez, c'est la solution, monsieur. On est tous ensemble. Nous sommes des héros. Ah, c'est coupé. Et quand on voit tout ça, c'est joli. Et strike. Moi, je préférais mon idée du coup de poing de la triche au début. Hein. Bon, bah, GG, celui-là était pas évident non plus. Enfin, il était pas non plus ultra compliqué. Bah, une question de timing, le dernier, monsieur. Et je t'annonce qu'on est déjà dans l'échec parce qu'on attaque la 17ème minute. Donc une question de timing, elle contient des appareils très très spéciaux. Vite, mettez-la dans ce camion et faites-le repartir. Personne ne doit voir ça. Sachant qu'il y a des puzzles où on mettra 16 minutes juste à faire un seul puzzle. C'est ça en fait. En vrai c'est tellement... Ouais mais après on va les faire à demain. On va y aller à demain. Attends, on y va déjà plus ou moins à demain là mais... Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Ça lâche un tonal. Ça active des trucs. Et on va zoomer parce que là c'est un peu. Ce qui nous intéresse c'est de mettre. Voilà, en fait le ballon d'en haut, il n'y a rien à y toucher, il va aller activer le truc. Ce qu'il faut c'est qu'on convoie là, ça obligatoirement. Parce que c'est ça qu'il faut qu'on convoie. Ouais. Et on voit qu'il y a une petite prise ici. Alors... Donc je pense que. Vas-y, je te laisse t'éclater. Mais je pense que déjà si t'as une batterie, ça peut être intéressant. De la placer. Attends, déjà. Je suis pas formel. Déjà, on va brancher ça, c'est bon. On va mettre un écrevisse. C'est pas ici. Écrevisse. Voilà, écrevisse. C'est forcément dans le coin. En fait, il y a un timer. Yes, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut, mais il faut commencer par quoi? Déjà, attends, si tu me permets, je vais placer cet écrou là. Oui, il faut le mettre au-dessus en fait. Ouais, au-dessus. Oh, à la verticale. J'ai pas vu quand. La verticale, là. Ouais. Tac, il est là. Il est là, on est bon. Pourquoi on a un gros toyau? Pourquoi on a un gros toyau? Le mettre en droite ici, là. Ouais, exactement. Mais je pense ici, pas ici. Que ce soit ça. Vas-y, je te laisse le régler. Non, parce qu'il tombera quand même en direct dessus en fait. Ah oui. Bon, le tout gros tuyau, on s'en fout, je pense. En ce moment. Mm-hmm. On va voir ce que ça tourne là. Hop. Voilà. Là, ça passe, ça avance. Mais il n'y a rien pour soulever ici. Donc, ici, il nous faut une batterie. Avec une minuterie, je pense, entre les deux. Avec une multiprise. On raccorde la multiprise. On peut pas. Tu remontes la batterie. Attends, la batterie, on la remonte. Excuse-moi, on est en dégâts de collision là, vraiment. Merci. Alors on rezoome un petit peu. Il nous faut un premier minuteur ici. Touk. Tac. Tac. On croise un maximum les flux. Le minuteur comme dans Sliders, c'est bon de parler.
Sûrement. J'ai jamais vu ce film, mais sûrement. Tu connais pas la série Sly Boss? Non, pas du tout. Et là, dans le doute, on va lancer déjà, voir comment ça se goupille, cette histoire. Ah, attendez. Mais évidemment, il nous manque un minuteur ici. En fait, ici, il y a peut-être pas besoin de deux minuteurs, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, il en faut un. En fait, ici, il en faut un. Non, on peut pas toucher la batterie. Il y en a encore dans la banque, un minuteur. Ouais, t'es pas obligé de le fixer, le minuteur. Je crois qu'il est fixé en l'air. Ah, il se fixe n'importe où. Voilà. Allez. Effectivement, bien vu. Bien vu. Allô? Pourquoi? Merci. Ok, il faut un double minuteur. Je pense qu'il faut un double minuteur. Donc ce minuteur, on n'en a pas besoin. Ça va tourner tout le temps, on s'en fout. Si on veut bien le débrancher. Je le débranche. Yes. Le truc, c'est que est-ce que le câble est assez long pour atteindre le câble, la multiprise? Tu l'as? Ouais. Oui, nickel. Il faut un double minuteur pour que ça tourne. Voilà, okay. Double minuteur. Après, il y a le gros tuyau, on sait pas ce que. On va voir tout de suite. Pour l'instant, les autres éléments, je vois pas trop à quoi ils servent. Il y a qu'un gros tuyau qu'on a pas utilisé là. Tac, on voit la caisse. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, il y a le gros tuyau, il y a les planches qu'on n'a pas utilisées. Ah, bah attends, c'est ça le. Probablement. Attends. Est-ce que si je rallongeais pas la vie de ma balle, voilà, en ramenant plus loin. Plus de choses, tu vois, il lui arrive plus d'aventures à cette balle finalement. C'est ça. Est-ce que ce serait pas un bon deal? Bon, c'est les réglages à la pisse. Hein. Ah, ça va pas passer, ça va se bloquer. Ah ouais, non, il faut pas que je fasse de réglages à la pisse. Ok, faut que je règle ça proprement. Ok. Ok. Je suis pas sûr que ça soit bon. Hein. Ah oui, attends, ce toyau là-haut il est trop bas. Attends, ouais. Deux secondes, je vais le régler. Ouais. 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 Ah non, il veut pas. Ah, il veut pas. Donc non, je suis peut-être pas. Je suis peut-être pas trop haut en fait. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Non, je suis peut-être trop près, je sais pas. Je suis rapide. Vas-y, hein, attends, on fait tourner. De toute façon, ouais, il y a qu'en faisant du midi réglage qu'on verra si c'est bon ou pas. Mais en vrai, on est pas mal, hein. Allez, tombe, il roule. Et merde. Et il s'est coincé dedans. En tout cas, la caisse y est. Ça c'est bon. En fait, c'est juste un petit réglage de tuyau qu'il y a à faire. Et en fait, cette planche là, pareil, faut la micro-régler. Voilà, là c'est bon. Là c'est parfait. Tu peux faire avance rapide, c'est nickel. On a tout gagné. Les Jeux Olympiques. La France. Sûr. Regarde ça. Ouais, c'est la perfection incarnée. Bravo, ta perfection incarnée. Là, c'est bloqué cette balle de merde. Et en fait, je viens de me percevoir que le mode rapide, c'est un mode de la triche. C'est-à-dire que, voilà, si on fait une avance rapide, ça peut bugger certains objets, non? Mais non, non. Et non, et voilà, je suis un monstre. Je suis un monstre. Et est-ce que nous en avons fini? Je sais pas. Non, attends, c'était l'autre. Sélection de chapitre. Tac. Et oui, on a fini, monsieur. Bravissimo. Allez, bisous YouTube. Bisous. À la prochaine. Tout ça.